Ladies and gentlemen. Vapeur Shop. Salut à tous ceux qui rejoignent ce live. Alors, je vais envoyer des invitations quand même avant d'envoyer la machine. Pour ceux qui resteront pas jusqu'au bout de ce live, je vous rappelle qu'il est rediffusé le dimanche sur la chaîne YouTube. Donc, le temps que je puisse récupérer la vidéo et faire le montage. Donc, il est filmé en 4K. Aujourd'hui, j'ai essayé d'apporter un petit peu plus de luminosité que le dernier, parce que le précédent était un peu sombre. Ben, c'est parti. On ne va pas attendre plus que ça. Je vois que vous êtes nombreux à rejoindre le live déjà. Ça me fait super plaisir. Donc, pour ceux qui sont sur la rediffusion de la chaîne YouTube, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si ça vous plaît, à laisser un petit commentaire. Ça nous donne de la force. Ça me donne énormément d'énergie positive. Et c'est ce qui me motive à vous apporter ces contenus vidéo à chaque fois. Pour ceux qui suivent sur Instagram en direct live, vous ne voyez pas tout à fait le cadre. Donc c'est pour ça que je vous invite dans tous les cas, si vous ne suivez pas le live jusqu'au bout, en plus ça vous permettra de pouvoir le regarder quand vous voulez. Et bien souvent quand je le rediffuse le dimanche sur la chaîne YouTube, eh bien, j'assiste à la rediffusion et je suis en direct sur le chat avec vous et on peut se faire des blagues, on peut échanger, vous pouvez poser des questions, j'y réponds. Voilà, donc je suis super content. Et aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc précisément, puisque voilà, je ne peux plus m'attarder non plus sur les lives pendant une heure ou deux. Je ferai ça sur les live streaming du vendredi. Voilà, les live streaming du vendredi où on s'ambiance avec la musique et tout. Ça, je prendrai plus de temps. Là, pour le coup, c'est un live série JL6, confinement V3, si je ne me trompe pas. Donc, le vif du sujet aujourd'hui, c'est les inserts Zippo. Ils sont enfin arrivés, les inserts simple torche et les inserts double torche. Je ne sais pas si je vous montre le bon ou pas. Les inserts simple torche et les inserts double torche. Original Zippo. Voilà, donc ça c'est mon Zippo que j'ai depuis longtemps. Il y avait une main avec un jeu de cartes qui représentait un full au poker. Voilà, donc il s'est décollé. Mais j'ai décidé de ne pas le recoller parce que d'une part j'avais perdu la pièce du haut là, et la main qui venait fermer en fait le jeu, et on le découvrait en ouvrant. Voilà, et donc j'ai préféré plutôt que de remettre de la colle et que ça tienne pas forcément, j'ai préféré le laisser neutre comme ça. Donc j'ai pris ça aujourd'hui, j'ai pris aussi le petit couteau suisse qui va bien, parce que l'insert Zippo ça demande au moins un petit tournevis ou quelque chose d'un objet plat en fer pour venir régler le débit de gaz. D'ailleurs, en parlant de ça, je m'aperçois que j'ai oublié le gaz, donc je vais récupérer une bouteille tout de suite. Voilà, donc un petit peu de gaz. Alors, les inserts Zippo, il va y avoir une promotion Zippo les prochains jours pour l'anniversaire Zippo avec des séries limitées, vraiment sympa. J'ai choisi de rentrer simplement une certaine collection de ces nouveautés-là. Et donc, il va y avoir une offre promotionnelle pour un nombre limité de quantités. Ou quand vous achèterez le Zippo, vous aurez une paire de lunettes de soleil offerte. Plutôt cool, hein. Et il va y avoir des opérations comme ça à la fin du mois prochain. Voilà, pour fêter les beaux jours, on va avoir différentes opérations qui vont arriver comme ça. Voilà, donc je vais regarder si mon infu est prête aussi, parce que je vous avoue que j'ai pas mal couru aujourd'hui, j'ai speedé. Alors je me suis fait une petite infusion My Growing CBD. Donc les inserts Zippo, super intéressant parce que ça permet d'utiliser nos vaporisateurs Dynavap avec nos anciens briquets Zippo, et vu qu'on ne peut pas les utiliser à cause de l'essence qui noircirait le cap, on a l'innovation Zippo avec les simples et les doubles torches qui sont arrivés, qui sont les bienvenus dans la communauté Dynavap, puisque maintenant on peut obtenir deux belles flammes. Pour chauffer le cap. Donc,
On va commencer par le commencement. Alors, pour recharger le briquet Zippo, l'insert, vu que c'est un insert qui marche au gaz, pensez toujours à vous mettre sur la position minimum avant de le charger. Ça évite de dérégler les buses, ok? C'est assez sensible. Même s'il est neuf, on va vérifier s'il n'y a pas un petit peu d'air compressé à l'intérieur. Et vous voyez, quand j'ai appuyé avec la tige, il y a un petit peu d'air qui est sorti. Donc on se met sur le minimum. On chasse l'air avec une pointe. Et une fois que ça c'est fait, chose importante, on garde le Zippo avec les buses direction vers le bas. On met sa bouteille de gaz, pareil, la buse direction vers le bas. Puisque le gaz est liquide, ça lui permet de s'échapper directement et de rentrer dans la réserve. Si vous essayez de recharger votre briquet dans ce sens, vous n'avez que de l'air comprimé qui va rentrer dans le briquet. Et puis après, vous n'arriverez plus à sortir votre gaz liquide. On reste appuyé. On compte 5 secondes et après, on met quelques à-coups pour finir le remplissage. Donc une fois que j'ai fait ça, jamais essayer d'utiliser la flamme immédiatement après. Ok ? On va attendre 30 secondes, une minute avant d'utiliser la flamme. Ça pareil, il y a une vidéo sur YouTube, une des premières vidéos de la chaîne où je fais un petit tuto pour expliquer comment recharger son briquet tempête. Et c'est valable aussi pour les autres briquets. Donc, j'ai attendu un petit peu. Je vais remettre mon Zippo sur la position moitié ou maximum. Ok. Et là, je peux faire un petit test. Et ça marche super bien. Ok, donc insert Zippo, une torche, insert Zippo original. Et donc j'avais pris ça avec moi aussi, bon, pour vous montrer que c'était universel. Ça s'adaptait sur tous les Zippo, ok. Donc ça, c'est un Zippo original. Voilà, il y avait un insert double torche juste avant. Je l'ai remplacé par le simple. Et j'ai aussi des inserts, alors que vous pourrez voir dans la rediffusion YouTube, qui sont posés ici. Je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, j'ai mis toute une collection de... C'est pas des Zippo, c'est pas la marque Zippo, mais c'est des collections avec des marques, avec des noms d'équipes de football américain. Enfin voilà. Il y a tout un truc. Donc voilà, ça c'est pas, comme je vous disais, c'est pas une case Zippo, mais on va quand même pouvoir mettre notre insert Zippo à l'intérieur, ok, et l'utiliser comme avec un Zippo sans problème. Alors c'est pas un Zippo, c'est comment dire, alors c'est la marque, je vais vous dire, c'est la marque Tristar. Je sais pas si ça se fait toujours. J'avais ça à l'époque où je tenais le bureau de tabac. Donc voilà, j'ai pris le Zippo Kamasutra avec l'exemple levrette. Donc voilà, ils sont compatibles, que ce soit avec du vrai Zippo ou des carcasses Zippo d'une autre marque. Vous voyez, donc si vous avez un boîtier pour incorporer un insert Zippo chez vous, ben vous pouvez très bien le transformer en un briquet moderne, un briquet torche, grâce aux petits inserts Zippo qui sont maintenant disponibles. Voilà, je vais faire la même chose avec l'insert double torche. Donc, comme je disais, on se met sur la position minimum. Hop, il n'y a pas besoin de forcer, hein. On sent, quand on est sur la position minimum, ça vient buter et on ne peut pas aller plus loin. Donc la petite pointe pour chasser l'air. Alors vous n'avez peut-être pas entendu, mais il y a un tout petit peu d'air comprimé à l'intérieur. C'est bien de l'enlever, ça va permettre de remplir le briquet bien plus, ok? Parce que s'il reste de l'air comprimé à l'intérieur, forcément ça empêche le gaz de venir dans la réserve et on ne peut pas le remplir entièrement. Alors mon loul, moi je veux une sucette. Ah, Loul, il a capté les sucettes. Parce qu'on les voit pas trop
sur le plan. Voilà, je vais vous montrer quand même donc les sucettes. Je sais que tu as l'œil, mon loul. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Donc, j'ai chassé l'air de mon zippo. Je reprends où j'en étais. Je refais la petite manœuvre. Je compte jusqu'à 5. 3, 4, 5. Et je remets quelques coups. Voilà. À partir du moment où j'ai fait ça, je tiens un peu l'insert dans ma main pour réchauffer le gaz qui redevienne bien liquide. Ok. Et je vais le remettre sur la position. Alors, pas maximum, mais je viens diriger, voyez, l'encoche de la vis vers le plus. Voilà. Ok. Et on va faire un petit test. Et voilà. Donc les inserts Zippo, simple et double torche, de nouveau disponibles en stock dans la boutique. Et ils étaient vraiment attendus pour que vous puissiez transformer vos vieux Zippo en briquets modernes et surtout pour pouvoir les utiliser avec vos Dynavap. Voilà. Donc je vais remettre mon Zippo à sa place. Hop. Hop. Alors, donc j'ai beaucoup de bazar devant moi. C'est vrai que j'ai du mal à exposer devant là, du coup. C'est pas trop grave. Mon infusion, je vais pouvoir peut-être en boire un petit peu. L'infusion, elle fait du bien. Je vous rappelle qu'avec les infusions My Growing qui sont disponibles dans le shop. Et à prix cassé jusqu'à rupture des stocks, ils peuvent servir à faire des rhums arrangés qui sont excellents. Salut FDA, ça fait plaisir de te voir sur le live. Donc je vous rappelle qu'il y a un jeu concours en ce moment même sur la page Facebook Soft Secret. Ok, donc ce jeu concours, il permet de remporter une Green Case Dynavap. C'est vraiment une très bonne case quand on a pas mal de matériel Dynavap, du chauffage à induction ou plusieurs Dynavap, des petites boîtes, tout ça, et qu'on veut les transporter durant le voyage. C'est super intéressant parce que je vais vous la montrer, je vais ouvrir. Vous voyez, elle est faite de mousse. On peut caler les objets dedans et on peut même caler d'autres objets dedans. Mais la boîte qui a gagné, c'est celle-ci, elle sera complète avec un modèle 2021 à l'intérieur, la Dynastache, le briquet 3 torches original qui est fourni avec les packs Dynavap, la petite, le petit pot de graisse, de cire pour graisser les joints de vos VapCap et aussi des joints de rechange et une grille de rechange. Okay. Donc, le lot qui est en jeu avec la collaboration de Soft Secret, c'est une boîte complète et ça sera tiré au sort le dernier dimanche du mois d'avril. Voilà, allez voir sur Facebook, vous tapez Soft Secret. Donc je vous remercie à tous d'être passés sur ce live, c'est vraiment cool. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube, à liker les vidéos, les commenter, les partager si ça vous plaît. Partagez-les, c'est important si vous connaissez des gens qui essaie d'arrêter le tabac, qui essaie d'arrêter la combustion, eh ben, je pense qu'il y a de quoi trouver son bonheur, trouver une alternative qui est un bon soutien pour arrêter la combustion. Un soutien différent qu'est les cigarettes électroniques, c'est tout un autre univers. Hein. Les puristes Dynavap savent de quoi je veux parler. Et bien souvent, que ce soit pour se sevrer seulement du tabac ou pour se sevrer simplement de la combustion du cannabis ou quoi que ce soit, eh bien, la vaporisation de plantes, c'est un super moyen. Il y a énormément de plantes qui peuvent se vaporiser, qui ont des vertus intéressantes pour se détendre. Et voilà, c'est un super moyen pour arrêter la combustion. Donc faites passer le message, c'est un bon message.
et embarquer les gens qui en ont besoin avec vous dans cette aventure qui est vraiment prenante. Voilà, quand on a testé un DynaVap, en principe, on l'adopte. Si jamais vous avez testé un DynaVap et que vous ne l'avez toujours pas adopté, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai tous les petits trucs et astuces pour l'utiliser correctement et obtenir des bons résultats, avoir une bonne expérience avec son VapCap. Gros big up à tous. Merci de votre venue sur ce live. Merci à vous. Gros big up. À plus tard.